Bonjour, je suis Maude Ernoux, auteure aux éditions Le Souffle d'Or, et là je vais vous proposer une petite vidéo pour les gens qui sont stressés, qui ont une pression à l'intérieur du corps et qui ont besoin de se détendre. Alors ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, ça peut se faire le soir lorsque vous êtes dans votre lit également. Allez, on y va, c'est assez rapide, vous allez voir, et c'est très efficace. Vous inspirez tranquillement par le nez, sans forcer. Vous soufflez par la bouche. On essaye de ne pas contrôler la respiration. Donc l'inspiration, il y a quand même un petit effort à faire. Et l'expiration, c'est comme si vous faisiez un A avec la bouche. Surtout pas avec la bouche fermée. Parce que ça veut dire que l'expiration est contrôlée, alors que l'expiration doit être vraiment un moment de relâchement du corps. Donc vous inspirez sans forcer et vous soufflez. Puis, vous allez sentir votre jambe gauche qui va se remplir comme une poupée de chiffon. Elle se remplit de chiffon, ça peut être du coton, comme vous le souhaitez. On commence par le pied gauche. La cheville gauche. Le mollet gauche. Le mollet se remplit de chiffon ou de coton. Le genou gauche. Puis la cuisse gauche jusqu'au bassin. On sent toute la jambe, la cuisse et les articulations à gauche remplies de chiffon ou de coton. Même chose à droite. On remplit le pied. On continue à respirer tranquillement en même temps que l'on prend conscience de ce pied droit qui se remplit de chiffon ou de coton. La cheville droite. Le mollet droit. Le genou droit. Puis on continue, on remplit la cuisse droite de chiffon ou de coton jusqu'au bassin. Puis on remplit le bassin de coton, de chiffon. Puis on remplit tout l'abdomen de chiffon ou de coton. On sent que ce chiffon remonte tout le long de la colonne vertébrale. Remplit la cage thoracique. Continuez à bien respirer. Puis on passe à la main gauche, tous les doigts, la main, le poignet gauche. Puis on remplit l'avant-bras gauche jusqu'au coude. Articulation du coude. Puis le bras gauche jusqu'à l'épaule. Vous devez sentir hein, au fur et à mesure où on monte une différence entre la gauche et la droite. C'était la même chose pour les jambes. Vous devez sentir également au niveau des bras la différence entre le bras gauche et le bras droit.
Donc, toute l'épaule gauche est remplie, ainsi que la main gauche, l'avant-bras, articulation du coude, le bras et l'épaule. On reprend à droite, on remplit la main droite, tous les doigts, l'articulation du poignet. Puis on remplit l'avant-bras droit de chiffon ou de coton. Puis l'articulation du coude à droite. Et on continue au niveau du bras de l'épaule à droite. On continue à bien respirer. On sent toutes les épaules, les omoplates à droite, à gauche, qui sont bien remplies de coton. Et on remonte le long des cervicales, de la nuque, du cou. Puis on remplit la tête. On n'oublie pas surtout de prendre bien conscience avec ce chiffon ou ce coton entre les sourcils. On a le sinus frontal qui est souvent très tendu à ce niveau-là pour les gens qui réfléchissent beaucoup. Donc on prend peut-être une attention particulière sur cette zone-là que l'on remplit bien de coton jusqu'au sommet du crâne. Et voilà, comme par magie, vous devez sentir votre corps détendu. Alors surtout, n'oubliez pas de le faire régulièrement. Si vous sentez que vous avez la pression, vraiment une pression assez importante dans le corps, vous pouvez aussi faire seulement sur une partie du corps. Si vous sentez que vous avez les jambes tendues, par exemple, ou que vous avez des tensions au niveau des épaules, ou que la tête, ben, voilà, rumine un peu trop. Eh bien, n'hésitez pas à choisir des endroits du corps où vous pouvez utiliser cette technique. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.